c'est quand même quelque chose de très important, des gens qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. Si je peux me comparer un peu, c'est un peu comme ce que j'ai fait depuis 15 ans. J'ai remis en cause la carrière normale que j'aurais dû faire comme inspecteur général des finances, où j'aurais dû être à la tête d'une grande banque et gagner des sommes inimaginables. Non, j'ai préféré faire ce que je pensais devoir faire. Et ça, je pense que c'est ça le sel de la vie, quoi. Il faudrait que beaucoup plus de Français, d'ailleurs, se décident à se battre pour ce en quoi ils croient et ne pas se plier à l'intimidation, à la doxa dominante qui pèse de tout son poids comme une chape de plomb sur la France.